Allez Antoine, allez, ils sont loin devant. Voilà, 9 minutes, alors 9 pour le premier groupe de France. La fois, le 4 suite 9. Je vois le groupe de 4-6-8. Ils sont 2, 4, 6, 8, 10. Minutes 55 pour ce troisième camp. On reconnaît dans un petit peu Bridron, le cadet de Didon Chalétois. Et dans le peloton, petit peu Bridron qui était dans le sous-groupe. Et le peloton. Allez, Peter. Allez, bonhomme. Je vais plus loin. Allez, faut y aller, faut y aller. Allez, je vais plus loin. Allez, allez, allez. Allez Antoine, 1,50.
La Flavia Brispo, Lino Grelin. C'est un miracle. Voilà la victoire d'Anthony Panier, le 4S à ceinture, première sortie du maillot et première victoire. Ça va coûter cher au club, ça. La première victoire pour la borne. Il remonte les pubs. Anthony Panier, sous vos applaudissements, le vainqueur du prix de la borne. Voilà, Anthony Panier de la 4S à ceinture. Bravo. Le vos applaudissements pour Vitaly Dubreuil. Sans Dubois qui emmène le sprint Arthur Meunier dans la roue. Oh, ça va très vite du côté de la Sébaberry, Arthur Meunier. Regardez le junior 1 qui va s'octroyer la place de premier junior et de troisième de la course. Troisième Arthur Meunier, premier junior. De Sarah 18, quatrième et Alexandre Dubois. Non, Alexandre, c'est le père. Tristan Dubois, pardon, excusez-moi. Cinquième, Thomas Hernoux, excusez-moi d'avoir dit le nom, prénom du père et pas du Gaston, c'est Tristan Julien Feuillette. Et le junior 1 de Creusot d'Oxygène, Maxime Martin, Steve. Deux gars, il y en a deux qui sont sortis un petit peu avant. Je reconnais Nicolas Champion-Beltrec, le junior du cercle Gambetta d'Orléans, l'ORM maillot bleu, c'est Nicolas. Il va aller chercher une très belle place de 11e. 10e Nicolas, à top 10 pour Nicolas Champion-Beltrec. Et voilà, 10e Nicolas. Oui, il est content, il a fait quelque chose. 10e Nicolas, 11e le corps d'Argenteuil. Après, on a le champion du chat, Yannis Kourouko, Thomas Surgeon, la junior première année. Ah bah dis donc, on peut emmerder pour prendre l'arrivée. Il me fait le crâne. Et on peut croire que Yannis, à la fin, c'est pas très dur aujourd'hui, à la borne. Des éditions les plus difficiles. Et mon vieux, on l'a connu. La fin d'Éric Lebrion. Samuel Fonnet, Patrice Gauthier, ils sont contents d'en finir.